Good afternoon, 47. Your target is Etta Davis, also known as the Angel of Death. The target is a retired nurse, believed to have killed dozens of patients in retirement homes and hospitals across Great Britain. Her preferred technique is poison, though in later years, she has begun to prefer blunt weapons and violent accidents such as falls. Ongoing intercepts have tracked her to Marrakesh. This matches profile predictions that she is expanding her hunting grounds now that the net is tightening at home. While the target may look like a harmless old lady, it is certain that she will kill again repeatedly, given the opportunity. The clock is ticking, 47. Good luck. Hey, salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la cible fugitive, l'ange de la mort, The Angel of Death. Ça se passe donc à Marrakech et cette cible est donc réactivée. Donc bien sûr, sans aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement, on va donc pour cette version Xbox One, on va choisir donc le Silver Bowler de l'ICA. Comme objet de contrebande, on va donc cacher le Sigurd 300 Ghost, qui est le meilleur fusil de précision à mes yeux, bien sûr. On va garder la corde à piano, les pièces de monnaie, et on va prendre l'entrée du souk. Voilà, tout simplement. Donc à tout de suite, parce que j'ai coupé une grosse partie du temps de chargement qui est un peu long. Voilà. Donc là, ça y est, on commence. Donc, on commence dans le souk, donc en costume. On va essayer de réaliser ce contrat en costume. Là, je vous dis tout de suite, je n'ai pas eu le rang assassin silencieux. Mais par contre, je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que non seulement la version Xbox One est plutôt sympa, mais regardez la version PS4 que j'ai réussi par contre en Silent Assassin. Et vraiment la version PS4 en vaut le détour. Voilà, je vous laisse avec cette version Xbox One. Donc en fait, j'ai un plan A. Je vais d'abord voir si je peux réaliser ce contrat avec ce plan A. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, on est sorti du souk, et notre cible, elle est au-dessus, en fait, sur le toit. Donc c'est très très bien gardé, il y a pas mal de soldats d'élite, avec aussi un haut gradé que voici. Hein. Donc bien sûr, moi, je n'ai pas le droit d'aller plus loin, sinon je me ferais non seulement repousser, mais repérer. Donc là, ça y est, les gardes vont aller chercher la vieille dame. Voilà. D'ailleurs, on la voit. Regardez, on la voit. Elle regarde par-dessus, en fait. Elle se penche. Voilà. Donc là, moi, en fait, je vois que de toute façon, tel que je suis, je ne peux pas faire grand-chose. Donc en fait, moi, pour cette version Xbox One, j'ai voulu tenter quelque chose de risqué. Quelque chose de sympa, d'efficace, mais malheureusement, disons qu'il y a eu, on va dire, des petites péripéties, là. Hein. Donc voilà, si je vous montre ça, vous avez compris, c'est mon plan A. Voilà. Donc là, dans un premier temps, je vais donc sur le toit, là où j'ai caché le fusil de précision. Donc on prend la gouttière, bien entendu. Vous inquiétez pas si jamais vous croisez quelqu'un. De toute façon, les personnes des fois disent quelque chose, mais pff, honnêtement, c'est pas pour ça que vous allez vous faire repérer, ne vous inquiétez pas. Donc le fusil de précision se trouve ici. Donc,
Donc voilà, je regardais un petit peu, mais là, en fait, je me suis rappelé qu'il y a une personne pas très très loin, sur, non pas sur ce toit-là, mais juste à côté. On la voit à gauche. Voilà, une dame qui pourrait, on ne sait pas, disons que si jamais elle entend des gens hurler, si c'est pour qu'elle prenne peur et tout, qu'elle entende quelque chose, on ne sait jamais. Bon, je préfère anticiper la moindre chose. Donc du coup, moi, là, je vais prendre quand même la clé anglaise, mais ça, je vais la prendre en partant, en fait. Non, d'abord, je lance une pièce et là, je prends la clé anglaise. Voilà, c'était ça. Donc là, je passe par-dessus le petit muret. J'ai lancé une pièce, la dame est attirée par la pièce. Et là, on va lui balancer une clé anglaise sur le coin de la gueule. Tac, ça y est, c'est fait. Bon, joli bug, une partie du corps en lévitation, ça c'est rigolo. Enfin, pas vraiment, lui. Ouais. Un petit peu quand même. Et en plus, 47 passe à travers. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Voilà, donc on la cache quand même. Bon, honnêtement, moi je vous le dis, si vous la cachez pas, c'est pas grave. Parce que honnêtement, y a personne qui viendra ici. Mais bon, moi je le fais par principe. Oh, j'ai pris une brique au cas où quand même, mais bon, je m'en servirai pas. Donc là maintenant, il va s'agir d'attendre. Donc moi j'espère que la vieille dame passera par ici. Hein, voilà. Sauf que, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle va mettre un bon petit moment. Parce que madame va passer dans tellement d'endroits, elle va mettre tellement de temps, elle va tourner en rond, etc. Elle va me faire tourner en bourrique. Donc là, je regarde donc aussi bien avec le fusil de précision qu'avec... Et je zoome aussi avec mon pistolet pour vous montrer en fait que finalement l'enseigne du café, chose que je voulais donc utiliser pour lui faire tomber sur le coin de la gueule, on peut le faire aussi bien avec le pistolet qu'avec le fusil de précision. Voilà, j'ai déjà essayé, ça marche. Dans un autre contrat que j'ai essayé. Donc, voilà. Par contre, un conseil, prenez le Silver Baller de l'ICA. Hein, voilà, le pistolet fétiche de 47. C'est un conseil que je donne, quoi, parce que je dis pas que les autres sont pas efficaces, mais disons que celui-là a quand même plus de précision. Donc ça, c'est bien. Bon, là, il y a le flacon de propane qui me casse un peu les pieds, parce que du coup, j'ai sans arrêt l'information qui me dit que je peux prendre avec le bouton triangle, donc c'est vite chiant. Donc voilà. Donc là, j'attends, donc c'est une phase quand même assez longue. Alors je vous rassure, ça ne va durer que quelques minutes. Hein. C'est bientôt fini même, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, j'ai coupé énormément de minutes. J'ai coupé au moins un quart d'heure de vidéo. J'ai coupé un quart d'heure parce que je ne faisais que regarder la foule. Je zoomais avec le sniper pour voir où est-ce qu'elle était. Je l'ai vue à certains endroits. Donc voilà, j'ai coupé pas mal de minutes qui ne servaient strictement à rien. Ah voilà, on la voit arriver avec ses gardes du corps en bas à droite. Voilà, elle passe devant le café, mais n'y rentre pas, bien entendu. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Bon, alors je voulais quand même aussi vous mentionner, donc là du coup elle part à gauche, dans la rue à gauche là-bas. Après elle va repasser et tourner plus de mon côté, par là. Je voulais vous dire aussi que je m'excuse pour la capture qui en fait il n'y a pas de son dans le jeu. Parce que depuis la dernière mise à jour Xbox One, j'ai un petit souci de capture vidéo sur n'importe quel jeu et du coup
Avec VLC Player sur le PC, je peux regarder, le son, il est bien, bien synchronisé, mais par contre, il y a des coupures de son, ça fait bizarre. Et avec le logiciel de montage, le son est décalé. Et avec un autre logiciel, ça fait pareil. Donc du coup, étant donné que je parle quand même relativement souvent, je décide donc de couvrir un peu avec le son de ma voix. Mais rassurez-vous, la version PS4 a le son du début à la fin, il n'y a aucun problème. Je tiens à vous rassurer. Voilà. Donc là, c'est bientôt la fin. Un peu de patience. En fait, je vous l'avoue, sur cette version, j'ai décidé de lui mettre une prune dans la tête. J'ai décidé de tirer une balle dans la tête parce que, honnêtement, elle m'a fait tourner en bourrique tellement longtemps. Et là, je comprends pas pourquoi les gardes rentrent, ressortent, rentrent plus tard, et elle n'est pas dedans. On dirait que les mecs, ils font des allers-retours pour vérifier si tout se passe bien, ce qui me semblerait normal. Mais normalement, à un moment donné, il me semble qu'elle est censée quand même sortir du bar à chicha, donc passer en dessous l'enseigne du café. Donc je comprends pas. J'ai vu faire l'autre coup et là elle le fait pas. Donc c'est quand même assez curieux. Donc là voilà, elle repasse bien sûr. Elle repasse. De toute façon, dans 2 minutes, tu es morte. Voilà. Donc là, c'est bon. Il se dirige ici. Donc là, on est bon. On est bon. On zoome, on tire. Tant pis. Allez, hop, c'est parti. Tu es éliminé. Boum! Surprise! Bon, là, en mode combat, bien entendu. Hein, mais honnêtement, je voulais que ça se passe comme ça parce qu'elle me faisait tellement tourner en bourrique. Et puis, je sais pas, je trouve qu'elle méritait d'avoir une petite babale de Sigur 300 dans la tête. Ça me faisait trop envie. J'avais trop envie d'utiliser le fusil sniper. Donc, voilà. Ne m'en voulez pas, mais c'était trop tentant de la tuer ainsi avec le fusil sniper. C'était vraiment trop tentant. Bon, bien sûr, donc quand on commence à se faire tirer dessus, vaut mieux être prudent quand même. Je vais quand même essayer comme je peux de descendre sans trop me faire tuer. Donc là, il faut que je fasse quand même très attention. Donc là, vous allez voir, à la fin, une fois réalisé, là, c'est parti, là, je descends. Et bon, là, on me tire dessus, oulala, j'ai échappé belle, heureusement que les mecs qui tirent mal. Mais ça va, la sortie, elle est à côté, j'avais quand même prévu. Donc le truc qui est pas mal, c'est que je vais gagner le costume emblématique de 47 avec les gants. Donc les défis principaux de réaliser, elle est morte. Et puis voilà. Donc moi les amis, je vous dis à tout de suite pour la version PS4. J'espère que cette version Xbox One vous a plu. Je vous dis donc à tout de suite dans quelques instants. Et rassurez-vous, il y a bien le son intégral sur la version PS4. Allez. Merci à tous et à tout de suite. Good afternoon, 47.
Your target is Etta Davis, also known as the Angel of Death. The target is a retired nurse, believed to have killed dozens of patients in retirement homes and hospitals across Great Britain. Her preferred technique is poison, though in later years, she's begun to prefer blunt weapons and violent accidents such as falls. Ongoing intercepts have tracked her to Marrakesh. This matches profile predictions that she's expanding her hunting grounds now that the net is tightening at home. While the target may look like a harmless old lady, it is certain that she will kill again repeatedly, given the opportunity. The clock is ticking, 47. Good luck. Et on se retrouve donc sur la version PS4 de L'Ange de la Mort. Etta Davis, vous allez mourir. Donc toujours pareil, sans aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Donc c'est parti. Donc moi j'ai caché sur le lieu où elle se trouve une seringue moderne mortelle. J'ai pris le silver baller de l'ICA, des pièces de monnaie et une corde à piano. Donc on va essayer de faire ça. Ça va être un petit peu compliqué. Parce que je vais m'infiltrer comme ça. C'est faisable, mais ça va être un petit peu compliqué parce que c'est très très bien gardé. Vous avez vu d'ailleurs sur Xbox One que j'ai choisi finalement une autre alternative et finalement sur Xbox elle me faisait tellement tourner en bourrique que je n'ai pas réussi à la tuer comme je voulais avec l'enseigne du café qui aurait pu lui tomber dessus malheureusement. Et puis c'était trop tentant de lui tirer dessus avec le fusil de sniper. Donc du coup moi personnellement je suis très satisfait de la version Xbox. Maintenant je pense quand même tout faire pour avoir le rang assassin silencieux sur PS4. Donc, nous verrons ça d'ici quelques instants. Good afternoon, 47. We have been unable to determine the target's specific location, but she was sighted in the city center a few hours ago. Whatever you do, don't accept a cup of tea from 47. Good hunting. Bon, alors, c'est parti. Donc, on va s'occuper. Donc du mec au béret rouge qui est juste ici. Alors attends. Voilà, donc on va jeter une petite pièce là. Voilà. Tout va bien. Alors, on y va. On recommence par... On reprend par ici. Voilà, ça c'est bon. Ça
Ça, c'est quand même pas de peau. J'ai pété le vase. Est-ce que tu vas y aller chercher cette putain de pièce? Voilà. Voilà, ça c'est fait. On ramasse tout. Impeccable. Impeccable, impeccable. On part tranquillement. Tout va bien. Par contre, on va quand même... comme ça on va peut-être gagner du temps parce qu'on peut pas le cacher, donc on va quand même le mettre là, comme ça si quelqu'un vient à monter il ira peut-être pas dans le fond tout de suite. Allez, on se casse, on n'attend pas. C'est parti. Hey, youhou! Yes! Ah, c'était joli ça. C'était vraiment joli, joli. Et voilà, les défis réussis, assassin silencieux, impeccable, et notre cible est éliminée. Assassin silencieux, 169 447 points, avec donc bonus de temps de 5 minutes 37. Et ben voilà, tout s'est bien passé, c'est parfait. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui comprenait donc mes versions Xbox One et PS4. Voilà, c'est donc un franc succès sur PS4. Merci à tous et à bientôt. Allez, ciao.